partir dès maintenant encore, où nous attend notre ami Dufour. En effet, il nous attend déjà à la chaussée de Géant, située à la porte sud de l'enceinte, de Dufour de Pourtour. Cette porte sud est gardée par deux rangées de 54 Géants, dont ceux situés à gauche ont un aspect paisible et serein. Tandis que 54 autres situés à droite ont l'air terriblement hostiles. Ce qui n'impressionne absolument pas notre guide. Cette vue est prise depuis la porte sud qui mesure plus de 23 mètres de haut. Ici, l'un des visages qui surplombe la porte monumentale. Angkor Thom, autrement dit la grande ville, elle aussi ancienne capitale du royaume de Khmer, abrite plusieurs temples, le Bayong, Bafong et combien d'autres monuments encore. Chef-d'œuvre de l'architecture khmère Angkor Wat, qui signifie la ville qui est un temple, frappe par son aspect colossal, démesuré, écrasant et grandiose, mais aussi surtout par les trésors de sculptures raffinées visibles sur chaque centimètre de pierre, ce qui m'autorise à penser que les Khmers de l'époque étaient tous tailleurs de pierre. Quel formidable talent se sont produits au cours des siècles sur tant de kilomètres carrés. L'imagination est dépassée par la réalité. Le spectacle est fabuleux et féerique. L'escalier abrupt incite à la plus grande prudence. Éclairé par un rayon de soleil à l'intérieur du temple, une statue anonyme semble être là pour accueillir les visiteurs. À l'extérieur, dans des tranchées ouvertes au fil des ans, sous la responsabilité de la conservation d'Angkor, d'innombrables sculptures sous forme de bas-reliefs racontent la vie de l'époque, une divinité par-ci, une divinité par-là, rappelle que l'ensemble est dédié à la vénération des dieux et autres personnages célestes qui régissaient la vie quotidienne des populations. Ces prises de vue réalisées avec ma caméra Pajak Bolex 8 mm ont été rendues possibles par les indications précises fournies par M. Dufour quant aux heures où un rayon de soleil pénètre dans telle ou telle tranchée. L'étroitesse de celle-ci ne permet pas de prendre suffisamment de recul. Les travaux de construction d'Angkor Wat s'étaient poursuivis du 9e au 12e siècle. La construction comprend plusieurs étages avec des galeries ornées de grands bas-reliefs de très grande qualité qu'on ne se lasse pas de sculpter tant qu'il y a à découvrir. Du cheval à cinq têtes, encore des divinités, les unes féminines et dansantes, qui pourraient être des apsaras, les autres masculines et brandissant des massues. Ici, c'est la punition de la femme adultère qui est représentée enserrée dans la trompe d'un éléphant. La suppliciée sera broyée. Les bas-reliefs de la terrasse royale, dite terrasse du roi lépreux. Sur cette même terrasse, la statue du roi lépreux représentant le dieu Yama.